Let's go! On dirait que les enfants attendent très mal à l'aise. Coupé dans la file d'attente. Oh non! Les gars, je peux y aller en premier! Hey, Wolfou! Respecte toujours les règles d'attente dans les lieux publics! Pouvez-vous laisser le vieil homme faire la queue? Wolfou a été trop rapide. Laissez-moi d'abord nettoyer les toilettes. Wolfou est si créatif, mais que se passera-t-il ensuite? Vous pouvez attendre. Je vous laisserai entrer quand j'aurai fini. C'est ça, continue à frapper. Wolfou ne nous laisse pas utiliser les toilettes. Sors de là, petit. Tu dois rester dans la file d'attente et sortir dès que tu as fini d'utiliser les toilettes. Je suis désolée. Les gars, respectez toujours les règles dans les lieux publics. Wouah, des œufs colorés. Qu'y a-t-il à l'intérieur de l'œuf? Devinez ce qu'il y a à l'intérieur de ces œufs. Il y a un bébé animal à l'intérieur. Trouvons la réponse ensemble, les enfants. Le jouet à l'intérieur de l'œuf de Wolfou est vraiment bien. Que contient l'œuf de Kat? À l'intérieur de l'œuf de Pando se trouve un adorable bébé tortue. Certains animaux naissent à partir d'œufs. Mmh.
Est-il possible que Maman Wolf soit également enceinte d'un œuf? Et puis, l'œuf va éclore et donner naissance à un joli bébé, Lucie. Alors, je dois préparer un nid pour l'œuf. Oh, le bébé arrive! Où ça? Où est l'œuf? Quel œuf? L'œuf de maman a donné naissance à un bébé. Certains animaux pondent des œufs, mais nous donnons naissance à un bébé. Ces connaissances sont utiles, n'est-ce pas? Ne pas saccager les toilettes publiques. Eh bien, les trois enfants pique-niquent dans le parc. Oh, Wolfou veut aussi aller aux toilettes. Dépêche-toi la prochaine fois. Que va faire Piggy? Il s'avère que Piggy essayait de taquiner Wolfou. Il s'agit d'un espace public. Vous devez le garder propre. J'aurais pas dû faire ça. Je suis désolée. Nettoyons ensemble. Tremblement de terre dans le centre commercial. Ça fait trop peur. Les tremblements de terre. Ah, il s'avère que Wolfou a fait exprès de taquiner Lucie. Allons au centre commercial, les enfants. Oui. Wolfou et Lucie sont très excités. Non.
Oh, quel miracle! Mais qu'est-ce qui ne va pas? C'est un tremblement de terre! Oh non, que faire en cas de tremblement de terre? Restez calme et trouvez quelque chose pour couvrir votre tête. On y va. Dépêchez-vous. Oh non, c'est vraiment dangereux. Nous devons rester proches d'une colonne. Ceci est très solide. Ça ne s'effondrera pas. Hey. Ouf, le tremblement de terre est enfin passé. Ne jamais utiliser l'ascenseur après un tremblement de terre, car il pourrait ne pas fonctionner correctement. Utilisez plutôt la sortie de secours. Maintenant, je connais les consignes de sécurité pendant un tremblement de terre. Bébé jour et bébé nuit. Nous devons rester éveillés le jour et dormir la nuit. Bonne nuit, mon chéri. Qu'est-ce qui se passe? Oh! Il s'avère que Pandolar pleurait. De la nuit a des problèmes. Il est censé le laisser dormir la nuit. Oh non, Pandolar empêche Pando de dormir. Eh bien, voyons voir, que va faire Pando? Peut-être qu'il ne peut pas dormir à cause du dieu de la nuit. Mais nous devons jouer et apprendre pendant la journée. Oh non, Pando est le dieu du jour de Pandolar. Que vont-ils faire maintenant? Qu'est-ce que tu fais?
J'aide le dieu du jour à réveiller Pandelar. Il ne doit dormir que la nuit. Les bébés n'ont pas la même routine de sommeil que nous. Ils prennent souvent de courtes siestes pendant le jour à la place d'une longue nuit de sommeil. Désolée, Pandelar. La terrible chanteuse. Vous avez une voix tellement unique. Eh bien, le fait d'être félicité rend Kat très heureuse. Oui. Je vais gagner, c'est sûr. Oh, Kat est trop confiante. Ma mère est une chanteuse incroyable, elle peut t'aider. Faisons la meilleure performance. Wow, Buffo et maman aident Wolfou en s'entraînant très dur. Pendant ce temps, Kat attend toujours le jour du concours. Et le concours commence! Voyons voir les enfants. À la fin, le championnat appartiendra à qui maintenant? Et le gagnant est Wolfou. Je pensais que vous aimiez tous mon chant. Tu dois travailler plus dur si tu veux être bonne à quoi que ce soit. Est-ce que vous pouvez m'entraîner à chanter? Jeu de cache-cache extrême de Wolfou. Bien, qui vont-ils chercher? Pourquoi c'est toujours moi? 1, 2, 3. Où Wolfou et ses amis vont-ils se cacher cette fois-ci? Wow, Wolfou a utilisé du colorant alimentaire pour se camoufler. C'est exactement comme le marquage au sol. Il va jamais me trouver. Kat et Piggy sont aussi très créatifs.
Quel défi pour Pando! Ne comprend toujours pas ce qui s'est passé. Stop, Buffo! Wolfo, la voiture de Buffo aurait pu te percuter. Il ne faut jamais s'allonger au milieu de la route. Je ne referai plus d'erreur. Rose par ici? Le jeu de cache-cache est amusant, n'est-ce pas, les gars? Wolfou, habillons-nous. Choisissons les costumes pour notre pièce, les enfants. Ah ah, quel genre de tenue choisiront-ils? Les yeux de Wolfou se sont posés sur ce costume de prince. Pensez que ses amis l'admirent de la sorte, Wolfou est extrêmement excité. Mais attendez, ce costume est bien trop grand. Wow, le maniement de Wolfou est également bon. Ça va être le meilleur costume de la pièce. Oh, ma princesse! Mais il semble que le grand costume soit encore gênant pour Wolfou. Je vais vous sauver, princesse. Et regardez, maintenant, Wolfou est si embarrassé avec ses amis. Oh, les enfants, arrêtez de vous moquer de lui. Vous devez choisir des costumes qui vont à votre corps. Je vais vite grandir pour remplir ce costume. Règles de sécurité dans les aéroports. Wolfou et Piggy s'amusent à voyager avec papa.
Ne bougez pas, les enfants. T'as perdu. Je vais dépasser ce bus. Hey. Ouf, heureusement, ce n'était que l'imagination de Wolfou. Hey. Oh non, les enfants. Soyez prudents lorsque vous prenez le bus pour l'aéroport. Dépêche-toi, papa. Les deux enfants ont continué à courir pendant l'embarquement. Piggy. Wolfou. Piggy. C'est dangereux. Courir sur la piste de l'aéroport peut être dangereux pour toi et pour les autres. Je suis désolée, je le referai pas. Oh, pourquoi la famille Wolfou est-elle si riche? De la richesse à la ruine. J'ai un cadeau pour toi. Ta-da! Papa! Oui! Oh, Wolfou veut un nouveau jouet et l'a tout de suite! Mais Buffo aussi! S'il te plaît, achète-moi-en un autre! Mais ta voiture est encore en bon état! Pourquoi tu m'en achètes pas un autre? On a plein d'argent! Oh non, Wolfou n'aurait pas dû dire ça! Tes parents ont fait faillite. Maintenant, suis-moi là où ils sont. Incroyable. Dépêche-toi, Wolfou. Nous avons des fleurs à planter. La vie est belle, Wolfou. Sois fort. Je veux les jouets et la télé. Je veux rentrer à la maison. C'est notre maison désormais.
allons faire un tour au jardin. Il faut travailler très dur pour récolter de si jolies fleurs. Je veux que vous le répariez. Pour gagner de l'argent, Papa Wolf doit aussi travailler très dur. Faisons une pause. Il n'est pas facile de gagner de l'argent. Il ne faut donc pas le gaspiller. J'ai compris, papa. Je suis désolée d'avoir gâché de l'argent avant. Oh, Papa Wolf a déjà été malade. Papa est malade, aidons-le. Il pleut beaucoup à l'extérieur. Papa! Je vais voir le docteur. Vous deux, vous restez à la maison et vous prenez soin de votre père. Lucie. Oh là là, pourquoi y a-t-il tant d'eau? Qu'est-ce qu'ils sont censés faire maintenant? Aujourd'hui, je serai Papa Loup. Vous voyez, malgré sa maladie, Papa Wolf est encore très résistant. Bonjour. S'il vous plaît, dites à votre père que cette mise en page est vraiment urgente. Pouvez-vous me l'apporter dès qu'il est terminé? Très bien, je vais le faire pour lui. Voyons comment Wolfou va improviser cette fois-ci. Oh non, que fait Wolfou? Trop cool. Je sais que vous tenez à moi, mais c'est mon travail. Laissez-moi faire. Wolfou, s'il te plaît, apporte ça au père de Molly pour moi. Oui. Ah, le dessin que Papa Wolf avait demandé à Wolfou d'emporter est toujours dans la pièce. Je suis désolée. Oui. Se souvenant du travail acharné de son père, Wolfou décide de retourner chercher le dessin. C'est vrai. Ton projet a été un succès. Merci à tous. Papa Wolf a l'air d'avoir si peur. Allez au travail avec papa. Allons-y. Alors. Ok. J'ai du travail au bureau. Est-ce qu'on peut venir? On pourra aller au zoo juste après. Eh bien, es-tu déjà allé au bureau de tes parents?
soyez gentils pendant que je travaille, d'accord? Laisse-nous t'aider. Wolfou et Lucie s'amusent à découvrir le bureau de leur papa. Merci de m'aider. Mais vous pouvez vous asseoir et jouer. Que diriez-vous d'une collation ou d'une boisson? Ma tête est bien protégée maintenant. Que vont-ils faire? Oh là là, est-ce qu'ils prévoient de faire la course sur les chaises pivotantes? Vous n'avez pas le droit de salir mon bureau comme ça. On est désolé. Heureusement, personne n'a été blessé. Nettoyons tout avant d'aller au zoo, d'accord? Mercredi et cellule de prison des nids. Waouh, aujourd'hui, Lucie et Nancy sont si jolies dans leur robe. Mon costume arc-en-ciel est trop joli. Et le mien est beaucoup mieux. Ah. Wow. Hein? On n'a qu'à demander son avis à Wolfou. Wolfou, est-ce que tu peux m'aider? Non! Les petites filles ne veulent pas du tout céder l'une à l'autre. Oh non! Vite! Cachons-nous avant que Wolfou ne découvre ça! On doit le réparer. Comment Lucie et Nancy vont-elles réparer la prison de Wolfou? Pourquoi est-ce que tu as pris autant de couleurs? Je pense qu'il aime quand il y a plein de couleurs. Il préférera le mien. Ils sont tellement créatifs. Choisissez-vous la prison de Lucie ou celle de Nancy? Qu'est-ce que vous faites?
cassé sans faire exprès. Alors, on essaye de réparer. Wolfou pardonnera-t-il à Lucie et Nancy? On est désolés. C'est merveilleux. Je l'adore. Merci. Oh, ils arrivent à admettre la responsabilité de leurs actes. Osez reconnaître vos erreurs si vous avez tort. Beaucoup trop d'amour. Viens voir mon nouveau tour. Arrête! Oh, Wolfou a fait tomber tout le pop-corn sur Kat. Je ne peux pas jouer maintenant. Madame Kat a dit qu'elle allait me donner un test plus tard. Personne n'attend pour moi. Alien peut-il aider Wolfou à ce stade? Mets-le. Et tout le monde t'aimera. Wow, l'objet de l'extraterrestre fonctionne déjà. Wolfou n'est pas content quand les gens s'approchent de lui. Wolfou, joue avec moi. Waouh, ça marche vraiment ce truc. Que fera Wolfou pour résoudre ce problème? J'ai l'impression que personne veut jouer avec moi. Mais on t'aime tous. Mais on peut pas passer du temps avec toi quand on est occupé. Oui, on jouera ensemble quand on sera libre. Les enfants, veuillez respecter la vie privée de chacun. Balai de glace contre balai de feu. Bientôt, Lucie participera au concours de balai. Oh non, elles sont toutes si fortes. Comment est-ce que je pourrais gagner? Y a-t-il un moyen d'aider Lucie? Oui, oui.
quelle idée unique les enfants Wolf ont-ils eue? Pouvez-vous le deviner? Génial! Bonjour! Oni! Lucie! Est-ce que tu fais là d'ailleurs? Regarde! Mon père m'a amené ici pour que je participe à la compétition de ballet! C'est sûr que je vais gagner! Non, la gagnante, c'est moi! Regardez, la princesse du ballet de feu Lucie et la princesse du ballet de glace Bonnie sont toutes les deux déterminées! Arrêtez! Unissez-vous, vous ferez un super spectacle! Voyons voir la performance combinée des deux princesses de ballet. Le dernier spectacle de danse était vraiment bon. L'unité crée la victoire, mes amis.